Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Et oui, je sais que ce genre de vidéo vous plaît, puisque sur ma chaîne, j'ai déjà fait un haul action et vous avez été nombreuses et nombreuses et nombreux à la commenter et à me dire que vous avez adoré ce genre de... Vous adorez les haul action. Donc, je suis repartie hier chez Action. J'ai ramené un gros sac. Parce que là-bas, c'est impossible de résister. C'est tout comme Primark. Hein. Si vous connaissez mon addiction pour Primark, et bah, Action, c'est un peu pareil. Je n'y vais pas tout le temps parce que c'est un petit peu plus loin de chez moi. Mais quand j'y vais, voilà, je suis obligée d'acheter des petites babioles. Donc, il n'y aura pas de cosmétiques en particulier. Il y aura surtout du bazar, des choses de la vie quotidienne, des trucs pour Noël. Enfin, voilà, un peu de tout. Donc, je commence tout de suite avec les petits produits pour Noël. J'ai trouvé cette petite guirlande. Alors, j'ai à peu près les prix en tête. J'espère que je ne vous dirai pas trop de bêtises si je me trompe. Mais cette petite guirlande de 12 LED avec des petits bâtonnets, je trouvais ça trop sympathique pour mettre dans un petit vase pour décorer pour les fêtes. Et puis même pour l'année, hein, ça peut servir vraiment pour n'importe quel moment, je trouve. C'est super sympa. Donc voilà, il y a 12 LED et c'est vraiment très sympathique. Et ça coûtait exactement 2 €... 2,59 €, je crois. Autour de 2,50 €. Pas plus cher, maximum 3 €, mais ça n'allait pas jusqu'au... Enfin, ça 2,59 € ou 2,78 €. Donc voilà, je trouvais ça vraiment pas cher et plutôt sympathique. J'ai acheté aussi pour Noël et pour les fêtes d'autres LED. Celle-ci, donc c'est 40 LED multicolores. Je pense que je les utiliserai sur mon sapin de Noël. Et après, je les utiliserai peut-être dans la chambre de mon futur bébé pour décorer une partie du mur, je ne sais pas. Mais ce qui est bien avec ce genre de LED, c'est que ça ne se branche pas sur les prises électriques, c'est à pile. Et du coup, c'est plutôt pratique. J'en ai déjà une de chez Ikea que j'aime beaucoup. Elle est beaucoup plus petite que celle-ci, puisque là, il y en a 40 quand même. Et chez Ikea, je les ai payées 2 €. Et là, elle coûtait 1,79 € exactement. Toujours pour les fêtes de Noël, j'ai investi dans des petits moules à chocolat qui coûtaient 99 centimes chacun. Donc je vais vous le montrer de plus près. Vous voyez, vous avez des petits bonhommes de neige, des petits Merry Christmas, des petits anges, des petits Père Noël. J'ai trouvé ça très sympa pour faire en fait une recette que j'ai vue sur un blog. Je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Des petits chocolats que vous faites fondre, que vous mettez dans vos moules et après vous mettez le petit bâtonnet et après vous décorez avec tout plein de couleurs. Donc j'ai trouvé ça sympa, 99 centimes c'est vraiment donné pour des petits moules à chocolat. Vous pouvez aussi faire des chocolats vous-même maison et les offrir dans une boîte cadeau pour Noël, ça marche très bien et c'est super sympa, j'en ai déjà fait et c'est vraiment cool. Toujours dans le rayon gourmandise, chocolat, etc. J'ai acheté des candy cane. Donc c'était 99 centimes le lot là de 12 sucres d'orge. J'ai acheté ça pour ma classe puisque j'ai l'intention de leur en donner un chacun pour les fêtes ou de leur faire un petit pochon pour un par jour. Enfin un petit pochon pour chaque élève avec des petites gourmandises et des petits cadeaux dedans. J'aime bien gâter pour Noël mes élèves. Donc là 99 centimes les 12 ça valait le coup. J'en ai acheté alors 2 pour mes élèves. Donc ça fait 24, c'est parfait. Et... pour des petits neveux, etc. J'en ai acheté aussi un troisième paquet pour offrir pour les petits neveux, les petits cousins. Voilà, c'est toujours sympathique. C'est des petites gourmandises très sympas. Donc c'est toujours bien. Restons dans la gourmandise. J'ai acheté un petit paquet de marshmallow. J'en avais déjà un paquet. Mais je crois qu'il est périmé. Donc je me suis dit que j'allais m'en racheter un. Il était à 79 centimes, si je ne me trompe pas. Donc c'est des mini marshmallows pour mettre dans les chocolats, les décorations de gâteaux, etc. Ceux-ci sont sans porc, donc j'étais plutôt contente. Et avec des arômes naturels, donc je trouvais ça plutôt sympa. Il y en avait d'autres couleurs, donc c'était vraiment pas cher pour tout ce qu'il y a. Pour les gourmands et les gourmandes comme moi, j'ai acheté des chocolats. Alors j'en ai acheté vraiment beaucoup. Est-ce que je vais réussir à sortir les boîtes? Je vous les montrerai après. En tout cas, je n'ai pas résisté au chocolat belge puisque j'avais une petite envie de chocolat en forme de fruits de mer. La dernière fois, j'en ai vu et pendant une semaine, j'ai fait que de penser à ça. Donc là, mon mari, quand il les a vus, m'a dit « Bah tiens, c'est pas ce que tu avais envie. » Donc j'en ai pris. Ça devait coûter 1,50 € maximum. J'ai aussi trouvé une petite bougie Air Wick. Si je vous la montrais à l'endroit, ça serait mieux. À la vanille, qui sent très bon.
J'en avais acheté une déjà il y a quelques temps de la même marque chez Action qui coûte 1,72 €. Celle que j'avais achetée était à la cannelle et à la pomme qui a vraiment embaumé tout mon salon. Elles embaument vraiment très très bien, elles s'usent vraiment jusqu'au bout du bout, il n'y a pas de reste. Et les verres, vous pouvez les réutiliser, donc c'est plutôt sympa. Après, c'est à vous de voir. Moi, je ne sais pas si je l'ai gardé, celui-là de la dernière fois. Je crois pas. Du coup, c'est vraiment une très bonne bougie. 1,72 €, c'est vraiment moins cher que dans le commerce, hein, parce que sinon, ça coûte une fortune, je trouve. J'ai acheté pour ma classe, ça c'est pour ma classe, hein. J'ai acheté pour ma classe ce petit kit pour tableau blanc. Avec le stylo, le nettoyant pour tableau blanc, etc. Parce que j'ai un tableau blanc et c'est difficile de le nettoyer. Donc j'avais bien envie du nettoyeur spécial avec une petite brosse, des aimants pour tableau blanc. Donc ça, c'est juste pour ma classe. Ça coûtait 1,99 €. C'est pratique. C'est plutôt pratique. C'est sympa. Pour mon bureau, j'ai acheté un petit pot à crayon comme ceci pour pouvoir, pendant mon congé maternité, faire des coloriages. Puisque. Non, c'est pas ça. Faire des coloriages puisque on m'a offert un livre, si vous l'avez vu dans mes cadeaux d'anniversaire, on m'a offert un livre pour colorier sur Paris et du coup j'avais pas de feutre chez moi. Oui, c'est le comble pour une instite de ne pas avoir de feutre chez soi. Enfin, j'en avais des gros mais pas des petits plus fins. Donc là j'en ai racheté, c'était pas cher. Dans ma classe j'en ai mais je les garde pour mes élèves, ceux-ci ce sont pour moi et donc je me suis acheté un petit pot pour les mettre dedans. J'ai fait un peu ce qui est bien à Action, si vous avez des enfants, c'est vraiment génial. Vous avez des produits pour la classe qui sont pas trop de mauvaise qualité et vraiment pas chers. Pour information, le petit pot là à crayon, il coûtait 55 centimes. Bon, les feutres Bic et les crayons de couleur, ça devait être autour d'1,50 €. Voilà, ça c'était des prix à peu près normaux, mais celui-là, 55 centimes, c'était pas cher. La colle, je crois que c'était 69 centimes, un gros gros tube de colle, elle est très très bien. J'ai acheté de la pâte à fixe parce que oui, pareil, j'ai plein de trucs dans ma classe, mais chez moi, j'en ai pas. Donc la dernière fois, on en avait besoin, on en a cherché partout. Donc là, j'en ai acheté, ça devait coûter aussi autour de 60 centimes, c'était vraiment pas cher. Donc là, c'est pour rester, pour le laisser dans mon bureau. Je continue, j'ai acheté pour mes élèves, pour faire une vente avec mes élèves, des lots de cartes, en fait, de 10 cartes. Des lots de 10 cartes postales pour les anniversaires, les fêtes et tout, un peu n'importe quoi. Donc, c'est des cartes de luxe sans texte et vous avez vraiment plein plein de choix différents. Vous en avez même des rigolotes, donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Des plus basiques. Voilà, pour les mariages, il y en a même avec des cupcakes. Vous les verrez derrière. Donc c'était 1 euro le lot, 99 centimes le lot en fait. Donc j'en ai acheté 5. Pareil pour ma classe, je me suis acheté des post-it, enfin voilà des trucs basiques. Et j'ai acheté des piles pour tout ce qui est lampes que je vous ai montré au début, lampes de Noël. Il faut des petites piles un peu, les A4, les AA. Voilà, donc j'en ai acheté parce que ça coûtait 1,79 €. J'ai totalement craqué sur une jolie boîte pour mon futur bébé, pour mettre tous ces petits produits beauté ou... Enfin voilà, j'ai totalement craqué. Alors je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon, mais je me suis dit que ça c'était plutôt mixte. Vous savez, les petites valisettes comme ça qui coûtent des fois une fortune chez Emma ou dans d'autres magasins, vous pouvez en trouver des petites valisettes. Et là, elle coûtait 1,99 € la petite valise. Et elle est de très très bonne qualité, hein. Vraiment. J'étais plutôt étonnée. Elle est plutôt grande. Donc j'ai craqué dessus. Mais mon mari a dit, oh là là, si tu continues, tu vas acheter toutes les valises parce qu'il y en avait plein de différentes. Et non, j'en ai acheté qu'une, mais si j'y retourne sans lui, j'en prendrai sûrement d'autres. Parce que j'ai trouvé ça super sympa, même pour faire un cadeau. Voilà, vous, c'est 1,99 €. Vous la remplissez de petits cadeaux pour les enfants ou pour quelqu'un qui vient de naître ou un nouveau-né. Enfin, je trouvais ça juste génial, donc je pense que j'irai en reprendre une ou deux pour offrir. J'ai acheté des petits bracelets comme ceci, vous savez, des petites manchettes un petit peu. C'est Hélène LC qui en parle des fois sur sa chaîne. Et je sais qu'elle trouvait ça sympa. Moi, je me suis dit, tiens, je vais tester. Donc des petites manchettes comme ceci, vous entourez autour du bras, avec écrit Love, Hope and Happiness. Donc là, couleur beige. Et j'en ai acheté un autre d'une couleur un peu plus camel. Donc voilà, c'était 79 centimes le bracelet.
J'ai acheté aussi, alors ça c'est super sympa pour faire des cadeaux de Noël, je trouve. Une petite tasse Merry Christmas avec la petite cuillère, vous savez. Enveloppée déjà avec plein de petits chocolats à l'intérieur à 2,29€. Il y en avait plein de couleurs différentes. Donc ça, je trouve que c'est un super. Bien sûr, soit un cadeau pour quelqu'un, un collègue ou quelque chose comme ça. 2,29€, ça reste raisonnable. Soit vous en achetez plusieurs et vous faites un lot pour quelqu'un que vous aimez beaucoup. Mais je trouve vraiment sympa. C'est des petites attentions qui sont vraiment cool. Donc j'en ai acheté une, sûrement pour offrir. Ce n'est pas pour moi, mais je ne sais pas encore à qui. J'ai acheté aussi des petits post-it comme ceci que j'ai trouvé trop chou. Ça pourra me servir pour tout ce qui est swap, etc. Mais des numéros. C'est un peu le style de chez Emma, sauf que là, ça coûtait 79 centimes ou 69 centimes. C'était vraiment pas cher. Et pour offrir à des petits-neveux, etc., là-bas, il y a vraiment la caverne d'Ali Baba. Au niveau jouets, vous pouvez trouver vraiment votre petit bonheur pour vos enfants, pour pas très cher. Alors, je vous dis pas que c'est des jouets de top, top qualité, mais moi, je sais que mon petit frère, il l'a, ce petit... je sais plus comment ça s'appelle. C'est des jouets de notre enfance, ça. Mais bref, les Shambhala, non, Shambhala c'est les bracelets. En plus, la dernière fois, j'avais vérifié comment ça s'appelait, mais je ne me rappelle plus. Bref, j'en avais acheté un pour mon petit frère, il adore, il le trimballe partout, ça coûte rien, 59 centimes le jouet. Donc on en a acheté pour offrir à des petits-neveux, voilà, on en a acheté 4 petits-neveux, 4 différentes couleurs. Ça reste raisonnable comme prix, et voilà, c'est un petit jouet qui est quand même plutôt solide, et qui est, enfin voilà, c'est intemporel, hein. Là, je vous le déplie pas parce qu'il est tout plié, mais c'est vraiment des jeux intemporels. Donc voilà, hop, 59 centimes. Et pour finir, parce qu'à Action, il y a toujours des bons plans, des chocolats. 99 centimes, cette petite boîte de chocolat Milka en praline. Donc voilà, 99 centimes, ça reste raisonnable, c'est pas une grosse, grosse boîte. Mais pour faire des petits cadeaux, pareil, en complément, c'est super génial. Et celle-ci qui était un petit peu plus chère, qui était 1,79€ si je ne me trompe pas. Pareil de chez Milka, qui est praline et à l'intérieur au lait. Je pense que celle-ci va être très très bonne. Mais bon, c'est pas pour moi, c'est pour offrir. Donc ouais. En tout cas, si vous voulez acheter quelques petites babioles pour Noël, pour les fêtes, que ce soit décoration, petite boîte de chocolat pour offrir, vous n'avez pas trop d'argent, vraiment, Action, c'est le magasin pour acheter des petits trucs. Pas cher, c'est le bon plan, moi je trouve, je vous le conseille vraiment, ce genre de magasin. Et je vous remets le lien en barre d'infos les filles, il y a le lien direct pour aller voir le Action le plus près de chez vous. Il y en a en France et en Belgique, je pense qu'il y a aussi en Suisse, en Allemagne, je sais pas trop, mais en tout cas en France, en Belgique c'est sûr. En tout cas, allez voir sur le site, ne me demandez pas où est moi l'Action le plus près de chez vous, je ne sais pas. C'est à vous de regarder les filles et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce qui vous a plus intéressé dans ce genre de vidéo, les produits que vous préférez, est-ce que vous trouvez que ce sont des bons plans. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite pour une autre vidéo. Ciao!